Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo où je vais dimensionner un poteau. Ok, on va dimensionner un poteau normal qui sera en compression centrée. Maintenant, comment faire pour vérifier ça? C'est-à-dire pour vérifier les conditions, c'est-à-dire pour avoir une compression centrée, il faut que certaines conditions soient vérifier comme il faut que le centre de gravité il faut que le centre de gravité soit centré. Deuxièmement, il faudra que les lancements soient inférieurs ou égal à 70 et il faut que cette force soit appliquée dans le noyau central. Ok, du coup nous prenons un poteau de section 15-30. Ok, déjà avant ici je vais retourner sur ce projet. Je vais sélectionner ce poteau. Je vais l'isoler, ok? Je vais afficher l'effort normal au niveau de ce poteau pour voir l'effort normal de ce poteau, ok? Je vais afficher les valeurs. Je suis dans robot structural, j'affiche les valeurs. Je suis en combinaison élue. J'ai une charge au pied du poteau de 437 et ici de 432. En fait, pour vérifier rapidement cette charge, il faut calculer le volume de ce poteau. C'est un poteau de section 15-30 avec une hauteur de 320. Donc du coup le volume sera 0,15 multiplié par 0,3 multiplié par 3 mètres 2. Ok, ça vous donne un volume de 0,144. Donc 0,144 c'est le volume de ce poteau, ok, mètre cube, qu'on va multiplier par le poids volumique du béton armé. Ok, après la réponse trouvée sera pondérée à 1,5. 1,35, ok. Donc du coup, on va prendre cette valeur qu'on va multiplier par 25 kN. Ça nous donne 3,6 multiplié par 1,35. Ok, ça nous donne 4,86. Donc 4,86. C'est ça, non? Ça fait 4,86, non? Ou bien je me suis trompé. Je crois que c'est ça. Ok, 4,86. Ok, maintenant on va prendre 4,86 et additionner avec 432 pour trouver cette valeur. Donc 4,86 plus 432, je crois c'est 0,27, comme ça si je ne me trompe pas. 432,27. Ok, donc je vais additionner plus 432,27. Ça nous donne 437,04. Ok, on a une valeur qui est supérieure à ce qui est ici sur robot. En fait, le problème est que dans robot, nous avons peut-être, je vais vous montrer, si on a utilisé le même poids volumique du béton. Si on n'a pas utilisé le même poids volumique du béton, donc cela veut dire qu'on n'aura pas, en fait, le même. Ok, vous voyez que le poids volumique du béton que nous avons utilisé ici, que ce soit le béton 25, c'est 23. Si je mets ici 25, par exemple, je fais OK. OK. Je fais OK. Je fais la descente de charge. On va vérifier. Ça a dépassé même. Maintenant, avant, quand on avait une valeur de 400, on avait une valeur de 24,53. On va travailler avec 24,53 aussi, 24,53. Donc, pour voir si j'avais exactement la même valeur. Donc du coup, je vais venir ici. C'est juste dû au poids volumique du béton armé que nous avons on a eu des valeurs un peu différentes. Okay. 0,144. Ok, il sera multiplié par 2 24,53 égal à ça, qui sera en fait multiplié par 3 vu par la pondération 1,35. Ok, ça nous donne 4,76 que je vais faire additionner plus 432,27. Ok, ça nous a donné 437,03. Voilà, c'était la valeur qu'on avait ici avant de pouvoir changer. Vous voyez que ça vérifie. Donc, nous allons prendre ce poteau. On va le dimensionner. Ok, on va dimensionner ce poteau rapidement. Dimensionnement. Ok. On va dimensionner ce poteau. Donc, je vais ici. Le poteau sera dimensionné en compression simple. Parce que ce poteau, lui seul, il joue pas le rôle de contreventement. Lui, c'est juste un élément porteur qui sera couvert, par exemple, de la maçonnerie ou bien des voiles. Donc, du coup, il sera dimensionné en compression simple. Mais dans le cas contraire, il est dimensionné en compression avec flexion. J'espère que vous avez compris.
béton coulé sur place, 25 MPa, ok? Je prends par exemple les filles de 10 et de 12. Transversalement, je peux dire si je vais prendre les 8, ok? Les 6, autant pour moi. Je viens ici, je vais mettre une barre dans le faisceau. Transversalement, je vais créer une liaison avec le poteau supérieur, ok? Longueur de flambement. Longueur de flambement, en fait, nous tous, nous savons que LF égale à KL0, ok? L0, c'est la longueur libre, en fait. Donc, du coup, LFK, ça dépend des liaisons. On a 0,5 bi, on a 1 articulé et 0,7 encastré et articulé. Donc, nous allons prendre étage multiple. Nous sommes au niveau de l'étage supérieur. Donc, nous allons prendre 1. Donc, K égale à longueur de flambement égale à L0. Donc, égale à 3,2. Donc, du coup, ici, on va prendre ça, 1. OK? Ici, on va prendre ça, 1. On applique. OK? Et on va calculer ce poteau. Déjà, je vais vous dire, quand vous calculez ce poteau avec ce style, là, le lancement sera supérieur. Vous voyez que lambda est 76. Alors que tout à l'heure, je vous ai dit que pour que les conditions soient vérifiées, il faut que le lancement soit inférieur ou égal. Donc, notre lambda déjà est supérieur. Premièrement, le poteau aussi, la capacité du poteau ne répond pas. Donc, la section ne répond pas. Du coup, donc, il y a un problème. Le problème, la solution est très vite. C'est juste augmenter la section de ce poteau. Par exemple, 20-40, ok? Et calculer rapidement ce poteau. Vous voyez que ça passe maintenant sans souci. Donc, on n'a plus ce problème. Il suffisait juste d'augmenter. Déjà ici, quand on vient sur le résultat, nous avons notre diagramme ici. Sur le diagramme, vous voyez que les coefficients de sécurité est supérieur à 0,97. Donc, c'est bien dimensionné ce poteau. Tout à l'heure, je vais vous montrer. Déjà, la valeur dimensionnante est là. Donc, c'est 433,21. Et puis, nous avons des moments nul au niveau de l'appui. Donc, il n'y a pas, au niveau du poteau ici, il n'y a pas de moment. Quand vous regardez le diagramme ici, ça tend. Ici, ce sont les valeurs des efforts normaux. Et ici, ce sont les moments. Par rapport au moment, il y a 0,0000. Et par rapport à l'effort normal, ça c'est 633,21. Donc, c'est la charge là. Quand le poteau passe, donc, ça prouve que notre élément est beaucoup plus en sécurité parce que ce coefficient de sécurité par rapport à 0,97 est beaucoup plus supérieur. Donc, je vais vous montrer tout à l'heure. Regardez, je vais prendre ce poteau. Je vais dire de section 20 fois 20. OK. Je calcule. Vous voyez que ça passe, mais c'est très, 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 très serré. On n'a pas besoin de ça. Je dis ici, quand je regarde le coefficient de sécurité, vous trouvez que c'est devenu un peu plus bas par rapport à ce qu'on avait. Et puis, le ferraillage que le logiciel nous donne, ça, c'est pas constructif, en fait. On ne peut pas construire avec ça. Un poteau de 20 carrés ne peut pas avoir 10 HA de 10. OK? Donc, du coup, je vais essayer de diminuer encore. Vous allez voir. Par exemple, 20-15. OK? Calculer ce poteau. Vous allez voir. Voilà. La capacité ultime de ce poteau n'est pas satisfaisante. Donc, du coup, je vais fermer. Vous voyez que ça nous donne un ferraillage comme ça, mais le poteau ne passe pas. Il est en orange. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que le coefficient de sécurité devient encore plus petit. Mais je vais vous dire, pourquoi il n'est pas en rouge ici? Parce que le B est égal à 20. Je vais dire le B égal à 15. Et ici même, je vais mettre 30, vous allez voir. OK? Je vais calculer comme ça. Vous voyez que ça ne passe pas. Je vais essayer de vérifier. Ici, vous voyez que ça a augmenté un peu par rapport à la dimension des armatures qu'on a mis. Donc, ici, le poteau ferraillé. Et ici, nous avons une note de calcul. La capacité ultime du poteau, les exigences pour la méthode utilisée ne passent pas. Donc, du coup, il faut augmenter la section pour que ça passe. Sinon, à chaque fois, vous aurez des problèmes. À chaque fois, vous aurez des problèmes. Vous voyez que c'est simple. Ça passe. Je peux arranger ce ferraillage. C'est-à-dire, je l'impose, je peux lui dire d'être comme ça, ok? Un ferraillage aussi simple que ça. Très bien, j'impose ce ferraillage à mon logiciel, ok? Donc, du coup, j'ai 6 HA de 10, un poteau de 20-30, qui est beaucoup plus en sécurité. Quand je regarde ici, vous voyez que je suis beaucoup plus en sécurité par rapport à notre coefficient de sécurité ici,
Okay. Donc, vous voyez que le poteau ici, il n'y a pas des moments. Pourquoi? Parce qu'il est dimensionné en compression sans flexion. Maintenant, si et seulement si, et que ce poteau est dimensionné en compression avec flexion, automatiquement, quand je vais faire OK, le poteau va générer beaucoup de moments. Parce que quand je clique sur la charge ici, vous allez voir qu'il y a maintenant beaucoup de moments qui sont ici. Beaucoup de moments qui sont ici. Là, maintenant, il ne joue plus le rôle d'un simple élément qui sera couvert après avec la maçonnerie. Vous voyez même la méthode exigée. Ok, ce n'est pas satisfaisant, l'excentrement. Vous voyez, l'excentrement, E0 inférieur à 0,1H. Et donc, ils vont me demander de changer même la méthode de calcul. Maintenant, vous regardez sur le plan, vous avez, sur les résultats, vous avez maintenant l'apparition de plusieurs moments qui se font maintenant ici. Vous voyez, donc, il y a même le déplacement de la courbe vers les moments. Donc, ici, on a une charge qui tend vers ici, ça fait 431 qui dépasse carrément le 400 et qui monte ici. On a le moment qui est de 18,62. Ok, ça y est là. Vous voyez, ça nous donne ça. Donc ce poteau n'est plus dimensionné comme étant avant, donc n'est plus sur le noyau central. Voilà, très bien.